Et quels sont vos trois secrets de succès que vous pouvez communiquer à tous ces jeunes qui nous écoutent, à tous ces jeunes qui vous admirent et qui aimeraient s'inspirer de vous? Ok, dans mon premier livre, j'ai parlé des 5 D de succès. Ils m'ont tellement suivi sur les réseaux sociaux, mais je vous fais répéter parce que c'est là où tout tourne. Alors, Marc-Karine a demandé 3, je vous donne 5. Le premier D, c'est le désir de réussir. Il faut avoir cette volonté. Tu veux entreprendre, tu veux être coach, tu veux être musicien, tu veux être journaliste. Bref, ce désir-là, ça commence par le premier D. Le deuxième D, c'est la décision de passer à l'action. Ça ne sert à rien de rester dans les rêves. Il faut rapidement agir. Il faut faire, refaire. Tu vas tomber, il faut te relever. Le deuxième D, donc le désir d'agir. Le troisième D, c'est le dévouement. Il faut être extrêmement passionné. Je dis toujours, soit tu fais ce que tu aimes, soit tu aimes ce que tu fais. La passion doit être au centre de ce que tu fais. Le quatrième D, c'est la discipline. Je parlerai d'ailleurs même de l'autodiscipline. Il faut être extrêmement discipliné. Comme les athlètes de haut niveau, il faut s'entraîner, il faut avoir une hygiène de vie, il faut avoir un ensemble de principes et de valeurs qui vont guider votre vie. Et le cinquième D, c'est la détermination. N'abandonne pas, ne te décourage pas. Ça a été difficile hier. C'est difficile aujourd'hui, ça sera même difficile demain. Et comme je me dis en anglais, no matter what, don't give up. And most importantly, the show must go on.